lecture. La cour de Paris vient d'afficher ses arrêts. Et les voyous, narquois, en lisent des extraits. Aplatis sur le mur comme un tas de punaises. Ils sont 40, là, joyeux, bruyants, bien aises. Qui bouchent le passage et qui font de l'esprit. Tiens, Anatole, 5 ans. Gugus, Alphonse. On rit, on applaudit, on hue, on discute, on menace. On blague sans pitié ceux qui sont dans la nasse, en tendant vers l'affiche un point plein de défis. Peut-être peur tantôt qui reconnaît son fils, tantôt c'est un fils qui découvre son père. Et l'un la trouve bonne et l'autre s'exaspère. Lorsque de temps en temps un nom de femme sort, on bat un banc d'honneur au sexe, on rit plus fort. Et d'un doigt hésitant, déjà paralytique, on cherche en tâtonnant la place alphabétique où l'on était hier, où l'on sera demain. Puis un agent paraît, qui passe son chemin, calme, les yeux baissés, sans voir la sarabande. Patience, demain il saluera la bande.